La cave de Saint-Brieuc est située à côté de l'ancien aéroport où s'est installé un vrai biotope. La faune sauvage s'est réinvestie cet endroit. Retrouvons Marc Blanchard, un guide nature, qui nous attend à la maison enfance-famille. Dans ce nichoir, bonne nouvelle, un couple de mésanges bleus y habite. J'ai installé une petite caméra dedans. Nous verrons quelques vidéos après l'atelier. Ici, c'est la femelle qui arrange le nid. Bonjour. Alors, je viens de placer une petite caméra dans un nichoir qui est là, et c'est du direct. D'accord. Donc, c'est un couple de mésanges bleus, vous voyez, et puis les petits, ils sont prêts à avancer, hein, et ils sont prêts à s'envoler. Disons, en fin de la semaine, ils sont partis, vous voyez. Hop. Aujourd'hui, il y aura deux séances. Tout d'abord, il faut prendre les morceaux de bois pour monter cette petite maison pour nos amis les mésanges. Les enfants sont encadrés par un adulte. Il faut tout d'abord trouver la solution. Ce n'est pas une course. Bien, du premier coup d'œil. Un vrai architecte pour oiseaux. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Heureusement que Marc est là. Vous êtes rentable. Maintenant, opération vis. On tire la langue. Oui, mais bien que c'est pas grave, ça. Ça veut dire qu'il est, que c'est dur et puis qu'il est concentré. Oui, oui, attends. Voilà. Oh là là, super, hein. Travaillez bien là. C'est la triche. Attends, je vais celle-là. Pour finir, c'est plus simple avec la perceuse des vaisseaux. Autrement, ah, c'est un peu dur. Et puis donc, on va déjà faire l'autre côté. Attention, on passe sur la molette. Allez. Ça va être bon. Alors en bas, l'autre côté fait ? Non. Bah, l'autre côté, moi, c'est... Oui, oui, oui. Ouais, je ne veux pas rentrer. Donc, Marc, va. Bah. C'est mignon. Juste, ce que je vais faire, c'est que... Alors maintenant, on peut vider là. Voilà, comme ça. Marc a fait ça toute sa vie. Oui, oui, je fais ça. Sauf. Non, je vais regarder le décalage. Il y a un trou, il sera bouché. Oui, oui. Et pourquoi il y a un si gros trou ? Allez, c'est pas grave. C'est évacuer à l'eau. Donc il reste 1, 2, 3. Vas-y, je tire, vas-y. C'est papy qui aurait dû venir assis là. Bah oui, c'est papy qui bricole, hein. Bah oui. Bah oui, bah voilà. La charnière. Pour le couvercle. Tiens là. Tu la tiens bien ? Oui. Non, tu la tiens pas. Ah bah c'est dur, hein. Oh, je suis d'accord avec toi. Encore quelques trous pour enfiler un câble ou autre pour attacher le nichoir. Donc, nous, il y a une blanche qui nous embête.
voilà. Les trous ici, en fait, on va passer. Les enfants pourront emmener leur travail à la maison pour le bonheur des maisons. Encore merci à Marc et à la CAF de Saint-Brieuc. Retrouvons maintenant notre nichée de mésanges bleus. Vous allez comprendre pourquoi le nichoir est toujours propre. Les parents enlèvent régulièrement les fientes des jeunes. Ceux-ci se retournent et les parents prennent le sac fécal et le sortent du nichoir. Et hop, aux toilettes. Les jeunes oisillons vont manger quelques 10 000 insectes en 18 jours. Plus besoin d'insecticides, un véritable pont aérien entre le feuillage et le nichoir. Heureusement que les deux parents sont là pour nourrir ces 9 petites. Et toute la journée, elles réclament « Nous, on a faim !» Encore merci à la CAF et à Marc pour leur aide à la protection des oiseaux.